de position. Position de la supériorité. Une position von Obermacht. De la domination. Von Heerschappij. De commandement. Van Befehlgeving. De diriger. Van Leiden. D'être au-dessus. Om bovenop. L'homme régnait. En de mens heerst. La bouche de l'homme c'était la bouche de Dieu. De mond van de mens was de mond la van main de l'homme c'est la main de Dieu. De hand van de mens was de hand parce van que l'homme van de mens est créé à l'image de Dieu. In het beeld van l'homme mens était avec Dieu. Was maître. Et l'homme en de mens ne peut pas être malade. Kon niet ziek zijn. Parce que tout ce qui est dans ce monde. Want alles wat in de wereld. La maladie. Ziekte. Les phénomènes. Alle phénomènes die wij obéissez zien. À l'homme. Dat gehoorzaam. Parce que l'homme mens avait l'autorité sur want de tout. Mens had autoriteit. Alléluia. Amen. Donc l'homme quand il est dans le jardin de Dieu. Dus de mens in de hof van avait le pouvoir. Men had macht. Tu as dû le pouvoir. Ja, hij had macht. Mais quand est-ce que le problème a commencé? Maar wanneer beginnen de problemen? Et à un moment donné, l'homme avait perdu ses pouvoirs. Op een gegeven moment raakt men die macht kwijt. C'est dans Genèse chapitre 3. In Genesis 3. Lisez tous ces chapitres. Je kan heel die hoofdstuk lezen. Il y a l'infiltration dans ces lieux. Er was een infiltratie in die plek. Le diable, le Satan est entré Satan pour influencer l'homme, te beïnvloeden de mens, pour influencer sa femme of, en zijn vrouw te beïnvloeden. Et la désobéissance en ongehoorzaamheid va séparer l'homme de Dieu. De mens scheiden van le péché, zonde, c'est la désobéissance is ongehoorzaamheid à l'ordre de Dieu. Aan de orde van God. Quand le serpent interroge wanneer de slang ondervraagt à la femme, de vrouw, si Dieu als nous a interdit. Ons had verboden. La femme répondit au serpent. De vrouw antwoordt aan de slang. Genèse chapitre 3 verset 2. Genesis 3 2. Nous, la femme répondit au serpent. De vrouw zei tegen de slang. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. En van de vrucht van de bomen in de hof mogen mais we eten. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. De vrucht van de boom in het midden van de hof. Dieu a dit. God heeft voilà gezegd. Instruction. Dat is een instructie. Ça commence. Daar begint het. Dieu a. God zei. Quand on donne l'ordre, on dit. Wanneer we orde geven, zei. Alléluia. Amen. Quand nous sommes entrés ici. Wanneer we hier binnengekomen zijn. On a des instructions que Pasteur Marc nous a dit. Er zijn instructies die gegeven zijn. Pour faire ceci, on fait ceci. Doe dit. Doe dat. Zodat er orde is. Et Dieu, c'est un Dieu de. De l'ordre en God et non is een God van orde en niet van orde. Même par la création, zelfs in schepping. Avec ordre. Het was in orde of met premier orde. Jour, de eerste il dag. Trouvait bon. Hij vond goed. Deuxième jour, de tweede dag. C'était Dieu est ordonné. God heeft geordend. Il a donné l'ordre pour le bien de l'homme. En hij gaf orde wat betreft de goederen van de mens. Quand on fait au milieu du jardin, en wat betreft de vrucht van de boom, mangerez point et n'y toucherez point. U mag daarvan niet eten en niet aanraken. Anders sterft u. C'est la moindre des choses. Het minste van alles. L'homme était bien. De mens was mais il y avait une instruction. Maar er was een instructie. Et cette instruction n'empêchait pas l'homme d'exercer son pouvoir. Dat stopte men niet om zijn macht uit te oefenen. N'empêchait pas l'homme de régner. Dat stopte men niet om te heersen. Mais parce que maar omdat il y avait une autre personne. Er een andere persoon il y avait une infiltration. Er was een infiltratie. Mais beaucoup de gens ont perdu le pouvoir des mariages parce qu'ils ont entendu de troisième personne. Hebben de macht van huwelijk kwijtgeraakt omdat ze op een derde persoon gingen wachten. Beaucoup de gens dans leurs églises. Vele mensen in hun parce qu'ils ont reçu des faux prophètes. Omdat ze valse profeten hebben ontvangen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a l'infiltration. Er is een infiltratie. Le serpent est infiltré. De slang infiltré. C'est alors que l'homme désobéit. Dat is wanneer de mens ongehoorzaam. Et le péché entre. En zonde treedt binnen. Si nous lisons dans le verset 6. Als wij lezen vers 6. On dit, la femme vit que l'arbre était bon. De vrouw zag dat die boom goed was. Ce qui frappe aux yeux. Wat slaat aan het oog. Oezo gongala. Dat schijnt. Bon à manger. Et agréable à la vie. Goed om te eten. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. En dat was goed om verstandig door te worden. Elle prit son fruit. En zijn nam et en mangea. En at. Elle en donna aussi à son mari. En zij gaf ook wat aan haar man. Qui était auprès d'elle. Die bij haar was. Et il en mangea. En hij at ervan. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé. Voilà le moment où l'homme avait perdu son pouvoir. Zie het moment dat de mens zijn macht kwijtraakt. Parce qu'il a désobéi à l'ordre de Père. Want hij was ongehoorzaam aan de orde van de vader. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'a pas respecté les principes. Want hij respecteerde de principes niet. Même dans ce monde partout il y a de l'ordre. Zelfs in deze wereld overal is er orde. L'ordre est bien pour nous. De orde is goed voor ons. De man van God zei. Qu'il n'y a pas la police. Stel je voor er is geen politie. Qu'est-ce que c'est pays? Wat zou gebeuren met l'ordre?
dat de geld van même dans la maison il y a l'ordre. Zelfs in huis krijgen we orde. Overal is er orde. Er is niet een chaos. N'a pas voulu l'ordre. Men wou niet orde. A désobéi. Men was ongehoorzaam. Il a perdu ce qu'on appelle la confiance en Dieu. En heeft vertrouwen kwijt. Il a perdu ses privilèges. Il heeft zijn privileges kwijtgeraakt. Quand tu perds ses privilèges, wanneer je die privileges kwijtraakt. C'est comme si tu es avec le peuple. Het is alsof met de volk. Quand tu as perdu la confiance du peuple. Wanneer je de vertrouwen van de volk kwijt. N'est pas respecté. Jouw macht wordt niet gerespecteerd. Alléluia. Amen. Mais ça c'est pas le pouvoir du peuple, c'est le pouvoir de Dieu. Het is niet de macht van men, maar van God. Alléluia. Amen.